roulettes stationnaires, du sable qui vole, les poubelles qui se déplacent, les mouettes qui galèrent, et un temps qui est carrément perturbé ce midi sur la Canoë. Bonjour à toutes et à tous. Donc perturbé, gris couvert des grains, une température extérieure à 15 degrés, une température de l'eau à 17-18 degrés. Marie qui est en train de monter le plein est à 14h avec des coefficients de 65 sur cette montante. Ben, le vent il est toujours fort, hein. Il est passé au nord-ouest mais il est fort. J'ai relevé à l'anémomètre une pointe à 75 km/h, donc ça fait 9 beaufort. Et en moyenne il y a du 60 à 65 km/h, ça fait du 7 à 8. Donc 7, 8, 9 clapots moutons partout sur le plan d'eau. Les mouettes, les goélands qui filent grave. Et une houle qui est déchaînée avec des vagues qui cassent au large du large, même au niveau de l'horizon là-bas, il y a des déferlantes par moment. C'est assez impressionnant. La bouée Arcachon-Gascogne, pardon, a bien touché son pic à 6,70 m et 12 secondes ce matin à 6h depuis, elle n'est pas plus grosse que ça. La bouée côtière du Cap Ferret tourne en moyenne avec un pic à. Alors en moyenne, maximum 5,80 m et on pique 10,60 m. Et là-bas, on voit les déferlantes au large du large. Ben, c'est la même taille hein, à la Canoë. Il y a 3 mètres en déferlement régulier, 3,54 m sur les séries, 4,55 m sur les grosses. On se dirait, tiens, c'est pas très gros, mais si on vous téléportait dans les vagues, là, vous diriez, ah ouais, il y a 5 mètres quand même. Hein. Donc c'est en vrac, c'est dans le test, il n'y a personne sur la plage. Le sable fouette, fait du peeling de visage. Ça dégomme. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va se tasser et du vent qui va se calmer. Les prévisions à 13h, c'est 4-5 mètres ou ouest-nord-ouest à ouest, une seconde de période, vent de nord-ouest qui devrait déjà se calmer 6-7. Et à 17h, 4-4-50 ou ouest-nord-ouest à ouest, 12 secondes de période, vent de nord-ouest 5-6. Bien évidemment, pas de surf, même pas de kite, on peut s'envoler sérieux. Prochain point, demain matin.